Sur les gradins, pas beaucoup de monde pour le début des finales. Le premier match a opposé Funga Uvea et Lausikula en deuxième division chez les femmes. Funga Uvea 2 remporte finalement la victoire au terme d'un quatrième set très disputé. Score 3-7 à 1. Nous ressentons de la joie, nous l'équipe de Funga Uvea 2, parce que nous avons gagné contre l'équipe de Lausikula 2. On est allé jusqu'à 31 tellement on se disputait le point et on a remporté la victoire 31 à 30. Deuxième division toujours, chez les hommes, Lano a affronté Lausikula, un match difficile qui oppose l'expérience des aînés à la fougue de la jeunesse. Et c'est finalement l'expérience qui l'emporte 3-7 à 0. En première division à présent, en face de Lausikula, Funga Uvea, une équipe qui regroupe une majorité de la sélection 2011. Les filles de Lausikula, quant à elles, représentent la sélection 2013. Un match de 4-7 que remporte Lausikula. Je suis heureuse parce que, et fière aussi de mon équipe, parce au début on avait visé la 5e place, étant donné que c'est la première fois qu'on joue en division 1 dans le championnat. On s'est battu pour être déjà en demi-finale. Et on a travaillé dur et on a doublé les entraînements pour pouvoir battre la meilleure équipe de Wallis et Futuna. Pour le dernier match, la finale masculine de première division, deux grandes équipes, Pacifica a reçu Impassible. Un match non sans difficulté pour Pacifica. Impassible s'incline 3-7 à 0. L'équipe qu'on vient de rencontrer était vraiment très forte. On se disputait chaque point. On a finalement remporté le match et j'en suis très heureux. Pour clôturer la soirée, comme dans chaque championnat, le discours du président du comité suivi de la remise des coupes. Chaque équipe a naturellement été récompensée. Pas le temps de s'ennuyer, la coupe de clôture prend la suite du championnat ce mercredi à partir de 18h.